次は私たちの番だから。神隠しにあった5人が順番に…やめてよ。ここにきっと何かあるはず。Quelle porte ? En fait. Ses vêtements sont très étranges. Ok, donc là on est Misaki Azo. Résonance, phase 2. Après ils ont une tendance à jamais vous dire à quel moment se produisent les événements. Donc là j'imagine que c'est avant l'arrivée de Ruka. C'est l'appareil que j'ai pris à la maison. Que fait-il par terre? Je confie ce prototype de la caméra obscura aux descendants de la famille Azo en témoignage de mes recherches. Donc oui, c'est bien. Elle fait bien partie de la famille. C'est la première caméra obscura qui m'ait permis de capturer une puissante force spirituelle. Donc ça, c'est la caméra originale. C'est bien. Elle a prouvé que mes théories étaient correctes et représente le premier pas de mon voyage dans des terres encore inexplorées. Je ne l'ai pas encore vérifié, mais théoriquement, elle devrait également pouvoir capturer la forme des défunts sur pellicule. Toutefois, la caméra obscura a une très forte influence sur les prêtres. Les médiums et les autres personnes capables de ressentir les esprits. L'usage inconsidéré en est donc proscrit. Retrouver Madoka. Donc, elle est différente la caméra obscura? Ouais, c'est pas la même. Elle a que 10 films de type 14. Et ouais, on n'a pas les mêmes choses. Ça marche. On va prendre ça. Ouais, non, c'est pas la même, même l'encadrure et tout ça, c'est pas pareil. Donc du coup, on doit trouver Madoka, mais par où on passe? Enfin... Ah. On entend une sonnerie. Là-bas. Ah, dans l'accueil, là. Est-ce qu'il y a des bidules électroniques à l'intérieur? Peut-être ça. Ça. Attends, il y a un truc par terre. Évasion. Attends, c'est quoi évasion? Esquive. Permet d'esquiver les attaques en appuyant sur A au bon moment. Ok, ça va nous aider. Ça? Ah oui, c'est ça. Ça vient d'une chambre, ça. C'est la voix de Madoka. L'appel provenait de la chambre 203. Peut-être que Madoka est là-bas.
C'est quoi ça? Il doit falloir entrer la bonne combinaison. Chercher le code à entrer dans le panneau de contrôle. Ouais, ok, d'accord. Je peux pas le faire en fait. Tant que j'ai pas trouvé la combinaison. Il y a bien un truc qui va me choper la main au bout d'un moment. Les enfants recommencent à me jouer des tours. Ils ouvrent et ferment les portes donnant sur la chambre du niveau 2. Je change le code régulièrement, mais ils arrivent toujours à le trouver. Visiblement, le jeu des codes est leur nouvelle distraction favorite. Ils écrivent le code de la porte quelque part et se laissent des indices sur l'endroit où le trouver. Ok. Je les ai sévèrement réprimandés et certains en ont pleuré. Mais le directeur nous a demandé d'être extrêmement vigilants sur la fermeture des portes. Par conséquent, prière de faire très attention. Si la porte reste ouverte, il y a un risque que le patient se mette à errer. D'accord. Si vous voyez des chiffres écrits quelque part, veuillez les effacer au plus vite. Il ne faudrait pas que cet indice, que cet incident se reproduise. Attends, combien de chiffres il faut? 4, hein, c'est ça? Ouais, 4. Ok. Chambre 203, lune purificatrice. Tsukimori Madoka. C'est elle? C'est la copine qu'on cherche? Fille introvertie semble être la cible de brimade de la part des autres enfants de son âge. Veuillez lui accorder la plus grande attention. Lune sombre, Aiba Lori, chambre 204. Suite au récent décès de Tomoko Inuma, Iori a été transférée depuis l'ancien bâtiment, mais elle s'est enfermée dans sa chambre et refuse d'en sortir. Elle a cassé la poignée, il faut donc forcer la porte pour pouvoir entrer. Chambre 205, lune pluvieuse. Sonohara Yoriko ne montre aucune réaction face au miroir. Elle ne doit donc pas avoir germé. Mais suite à l'aggravation de ses pertes de mémoire, son humeur et son comportement sont très instables. Elle doit être surveillée de près. 206, lune rousse. Amaki Kazuto. Sa kleptomanie empire et il n'écoute plus les avertissements. Veuillez signaler tout vol immédiatement. Il s'énerve lorsqu'on lui reprend les objets qu'il a volés. Mais si vous les reprenez sans qu'il s'en aperçoive, cela ne devrait pas poser de problème. 207, lune orchidée, Ayako. Personnalité très agressive, et tendance à prendre plaisir à faire souffrir les autres sans montrer le moindre signe de culpabilité. Ces bêtises cruelles posent de gros problèmes. Elle m'a même coupé à l'oreille avec un couteau. Soyez très prudent lorsque vous l'approchez. Ouais, bah c'est fun, les gens qui sont ici, mais c'est vraiment bien ça. Oh, putain. Patient devant la porte. Ils ont l'air d'être fun, les gens, les patients. Oh là là. Patient si terrifié par son identité qu'elle veut constamment quelqu'un près d'elle. Ouais, fais voir les autres spectres. Alors, jeune fille venue de l'île de Rogetsu avec Misaki Azo, attaquée par les esprits des patients, elle est elle-même devenue un spectre. Madoka. Donc, elle est vraiment devenue un spectre, en fait? Madoka Tsukimori éclose. Donc, elle est morte, en fait. Apparemment. Patient debout devant la porte, il devrait essayer de retourner dans sa chambre. Il devait essayer de retourner dans sa chambre. Ah! Il aurait pu nous ouvrir la porte quand même. Du coup, il faut que je cherche des chiffres écrits sur les murs et tout, c'est ça? Il y en a quatre.
à trouver. Non, ok, bon bah c'est en bas. C'est horrible ce truc. Je pense que tout va se passer plus ou moins là en fait. Après, ce qui est embêtant... Oh putain. Je les ai eus ou pas? Ouais. Ce qui est un peu embêtant dans ces, dans les Project Zero, la plupart du temps, des fillettes courent en tous sens. Elles donnent une impression de déjà-vu. C'est sûrement les enfants qui doivent trouver les chiffres, en fait. Le code. Il y a un objet devant. C'est que... On a tendance à errer en fait dans la même zone, mais de différents avec différents personnages. Donc du coup, genre certaines portes qui étaient fermées avec un personnage sont ouvertes avec d'autres, etc., etc. Donc ça, ça peut porter à confusion en fait. Donc faut souvent faire des... Attendez, parce que là je détecte un truc. Attends, c'est peut-être là-bas. Donc faut souvent faire des allers-retours. Et checker en fait plusieurs fois les mêmes choses. Nouvelle patiente. Alors, en fin de semaine, une nouvelle patiente sera admise au niveau 2 du nouveau bâtiment. Son nom est Ayako et elle s'occupera la chambre 207, l'une orchidée. Elle sera admise sur recommandation du docteur Aibara et nous devrons donc tout faire pour que son séjour dans le pavillon soit le plus agréable possible. Veuillez donc faire preuve des plus grands égards envers elle. On est full vie ou pas? J'ai pas fait attention. Oui, on est full vie, ça va. On est à 74K. Oh, on a zéro herbe. Ok. Et ouais, parce que elle, on n'a pas d'herbe en fait avec elle. On n'a pas d'herbe avec elle, donc on va garder les points au cas où si on doit les acheter. Donc pourquoi les gamins ils allaient là? Ça c'est un cul-de-sac ça. Dessin d'enfant, une horloge, il me semble que je l'ai déjà vu quelque part. Ok, direction l'horloge. C'est pas l'horloge qui est juste à ma gauche là, dans le hall. Ouais, c'est celle-là au fond. Phases de la lune sont représentées sur le cadran de la vieille horloge. Sur le sol, quelque chose semble avoir été effacé. Je ressens une puissante aura. Peut-être que je pourrais voir quelque chose si je prends une photo. Avec cet appareil au pouvoir étrange. Quelque chose est apparu en surimpression. 8395. Bon bah ça va. Bon, on n'a pas cherché très loin, c'est bien. 8, 3, 9, 5. 8, 3, 9, 5. Non, pas ça, ça. Ah, la vache! L'infirmière se
dédié corps et âme à son travail. Sa gentillesse a été anéantie par la peur. Fun. Les mots fermés et ouverts sont inscrits. Enfin, rentrer. 8, 3, 9, 5, c'est ça. Comment on fait? Tourner. C'est ça, 8, 3, 9, 5, hein. J'ai un doute maintenant. Ouais. Je ne suis pas ton jouet. Ok, c'est juste la porte en face. Ça marche. Oh là là! Oh, elle est jolie cette. Ah ouais, c'est... elle est vraiment jolie le dessin là. Ok, trois clichés. C'est super joli le dessin de l'objectif. Ah, c'est vraiment la bonne caméra, quoi. Hop, je regarde un peu. Il n'y a pas de, y a pas de bleu. Quand je dis il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de lumière bleue en bas à droite, là. Ça aussi, c'est pratique pour vous dire s'il y a des objets à récupérer ou pas. Comme ça, en théorie, vous loupez rien. Plusieurs notes sont épinglées sur le tableau d'affichage. L'encre a coulé, elles sont invisibles. On va voir un peu la carte. Ah. Ça veut dire quoi, ça? Bureau? Ça y est, c'est fini. La voix de Madoka? C'est fermé à clé, évidemment. C'est pas la musique qui rend fou, ça? Là. Partout. Oh, t'es sérieux là? J'ai pas de soins, j'ai pas de soins. Non mais je vais mourir. J'ai pas de soin en fait. Oh merde, elles sont sur ma gauche. Ouais. Je peux pas trop bouger parce que sinon après elles apparaissent derrière moi. Oh non. Les deux.
pensais que ça allait être du soin. C'est pas du soin. Si vous lisez ces mots, cela signifie que je ne suis plus de ce monde. Lorsque je suis né, ma mère a quitté ce monde pour me protéger. Mon père et mon frère aussi ont quitté ce monde suite à un accident. Les seules choses qui me maintiennent en vie, ce sont les souvenirs de ma famille et la culpabilité d'être la seule à avoir survécu. Et cette maladie est en train de me les voler, elle aussi. Ma mémoire est le dernier endroit où ma famille est encore en vie, mais cette maladie est en train de les tuer à nouveau, et je ne peux rien y faire. Je reste en vie, alors même que les êtres qui me sont chers agonisent en moi. Je ne le supporte plus, mais ce qui me terrifie le plus, c'est que bientôt je n'aurai même plus conscience de ce qui m'arrive. Je suis en train de tout perdre, mais je ne ressens rien. Ma famille est en train de mourir à nouveau, mais je ne ressens rien. C'est pourquoi je quitte ce monde tant qu'il me reste encore une once de mémoire, tant que je suis encore moi. Oh la vache, c'est fun. Faut qu'on aille sauvegarder et qu'on achète du soin. Et où ça? Ah, le livre. Ah, c'est où, les, où c'est qu'on a où on a combattu l'autre, je crois. Oh. Okay. Eh ben. Alors, on fait voir Spectre. Ah, revenant. John va prendre incapable de supporter plus longtemps la sensation que son âme l'a quitté peu à peu. Elle souffre dans sa chambre avant de trouver son salut grâce à une corde. On peut pas. Ah oui, il faut changer de page, voilà. Alors, Yori Aiba. Ah, c'est celle qu'on avait, on avait lue sur elle. La jeune sœur de Takashi, elle a suivi son frère pour assister au Kagura de Rogetsu, qui n'a lieu qu'une fois tous les 10 ans. Après Kagura, elle a contracté le syndrome sélénite et a été hospitalisée. Donc sélénite, en fait, c'est de perdre la mémoire, c'est ça? Après, ça, c'est la version éclose. Eh ben... attends. Ouais, faut qu'on descende. Faut pas qu'il y ait quelque chose parce que sinon... J'aime bien l'effet quand on est bas en vie. Non! Meurs, fillette en haut de l'escalier. J'aime bien parce que le fait de sortir la caméra va vous pointer directement dans la salle. Dans la direction, pardon, importante. Alors, une fillette se tient au haut des escaliers et regarde en bas et ses yeux froids brillent d'une lueur sadique. C'est pas elle qui prend plaisir à faire souffrir les gens. Combien? Ah, c'est vrai que c'est cher ces merdes. On va prendre deux. Si on en prend 5. Ah mais là c'est x3. Donc je pourrais en prendre 2, ça fait x6. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ça remet pas grand chose, hein. Mais bon. On peut les acheter, donc ça va, c'est bien. Oui, je vais sauvegarder aussi. Ah non, sauvegarde. Eh ben. Ah, c'était compliqué, là. Là, j'ai bien cru qu'on allait y passer. Hein.
Ok, donc maintenant on veut retourner là-dedans. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est là. C'est en plus c'est sur la photo, c'est exactement ce qu'ils nous ont montré. Combattre dans les couloirs, c'est un peu une catastrophe. C'est un peu une catastrophe, les couloirs. La caméra, la caméra. Ah là 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 là. J'arrive tellement à bien savoir d'où ils viennent avec le son. J'ai bien envie de lui faire un cliché fatal, mais... Merde. Ah si, non, c'est là. Oh oh. Il a... Je sais pas trop ce qui s'est passé là. Genre, c'était de n'importe quelle direction là. Ouh, les combats ils sont un peu chauds quoi. Quelle est la chambre de Madoka, ça marche. Donc du coup, nous on retourne en haut, là-bas. Ça, c'est pas loin. Yeah. Yeah, on se prend en photo. On peut trouver du soin. Je suis assez surpris que le jeu soit aussi difficile en fait. Honnêtement, je le trouve très difficile. C'est pas que j'y arrive pas, hein. Mais je trouve que les... Ouais, les fantômes sont quand même vachement agressifs. Et le problème, c'est qu'on combat que dans des... Ah. Il y a encore autre chose. On combat que... dans des couloirs. Et ça rend les combats extrêmement difficiles, en fait. Alors, attends. Est-ce que j'ai détecté quelque chose? Là. Ouais. Ah! Putain, encore heureux qu'on n'ait pas passé à côté de ça. Ouais. Alors. Donc ça, c'est repousse les esprits une fois qu'ils ont été touchés. Ça, c'est bien ça. Repousser une fois qu'on a été touché. On peut l'augmenter une fois et garder le reste pour le moment. Ah, toi aussi tu vas éclore. Femme près des masques. Ouh. Il y a un truc là.
fragment de masque gauche. Alors, sur cette île, il y a un Kagura qui se déroule les jours d'éclipse de lune. On dit que ces jours-là, les âmes des vivants se tournent vers l'au-delà et que les âmes des défunts en reviennent. Comme sur cette île, la lune symbolise l'âme. L'éclipse de lune doit représenter une disparition de l'âme. J'ai lu un document disant que lors de ce Kagura, on utilisait un masque qui porte le nom de masque de l'éclipse lunaire. C'était un document très ancien et abîmé, mais il décrivait ce masque comme le masque noir qui provoqua le désastre connu sous le nom de jour de l'indolence. J'ai demandé de plus amples explications à ce propos au chef de l'île, mais il m'a répondu l'air terrifié qu'une telle chose n'avait jamais existé. Ce masque semble être un sujet tabou sur l'île de Rogetsu. La légende dit que ce masque est dangereux, mais j'aimerais vraiment voir à quoi il ressemble, juste une fois. Il aurait pu m'être d'une grande utilité pour trouver des moyens d'entrer en contact avec le monde des esprits. Donc, fais voir un peu... Une femme se tient près des masques dans la bibliothèque, elle semble vouloir dire quelque chose. Ouais, et elle est éclose du coup. Éclose, ouais. Donc chaque fois qu'on est éclos, on a le visage brouillé en fait. Et apparemment ils sont extrêmement vénères les esprits éclos. Est-ce qu'il y a des objets là, m'étonnerait. Ah, attendez. Pourquoi ? Ça sert à quoi ça ? Ça sert à quoi cette touche ? Ah ! Là, si je touche à rien que je fais le joystick, je peux me plus ou moins tourner sur moi-même, même si c'est pas vraiment très précis. Mais si je maintiens LB. En fait, je peux me déplacer en diagonale. Okay. Oui, il l'avait dit dans le... tutoriel. Ouais, d'accord. Enfin, c'est un peu... C'est super étrange, honnêtement, les déplacements. Enfin, c'est super étrange. Très, très bizarre. Je pense que c'est pour aider... à la manette de la Wii, à la base. Le fait de pouvoir rester en... J'ai dit diagonale, non. Je strafé en fait sur les côtés, c'est ça que je veux dire. Très bizarre. Oh. Oh la vache. Ah mais c'est toi la saloperie. J'ai déjà vu cette scène ici il y a très longtemps. C'est toi la saloperie qui torture les enfants. Enfin, les gens en général. Madoka, enfant tombé au sol. Cette scène semble familière. Ah, c'est elle. Une fille se tient au haut des escaliers et regarde vers l'objectif. Son regard cruel cherche des jouets vivants. Des jouets vivants. Ah bah, putain. C'est par là, la porte. Ouais, c'est par là. On a encore un appel de l'au-delà. Oh, la vache. Mais elle était gentille, elle. Là, j'aime pas le fait que je la vois pas.
canaille. Est-ce que je peux... Ok. Ok, on l'aille. Bon, pour les esprits plus ou moins faciles, on va essayer de faire ça. Oh, ce bruit. Ouais, pour les esprits plus ou moins faciles, on va essayer de faire des clichés fatals. Des clichés fataux. Des clichés fataux. C'est mes blagues, ça. Le stress, ça fait faire des blagues de merde. C'est pas ma faute. J'ai un peu peur pour ma vie, en fait. Parce que quand ils font très mal quand ils s'agrippent. Les fantômes. Et vu qu'on combat tout le temps dans des couloirs, c'est une atrocité. Par contre, j'ai complètement oublié ce que je devais faire. Fouiller l'intérieur de la chambre 203. C'est ça là, ok. Oh mon dieu, il y a des gribouilles partout. Journal de Madoka, 9 août. La nuit, quand c'est l'heure de dormir et que je n'arrive pas à dormir, ça me fait peur. Ok. C'est parce que quand il fait tout noir, je vois mon visage dans la fenêtre. Quand je vois mon visage dans la vitre, il est tout bizarre. Mes yeux sont tout tordus, mon nez est tout déformé, ma bouche est écrabouillée. Dans ma tête, c'est tout bizarre aussi. Je voudrais oublier Ayako, mais c'est mes bons souvenirs qui s'en vont. Alors j'espère que je vais arriver à dormir ce soir. Ok. De Madoka. Madoka chérie, comment vas-tu? As-tu trouvé un nom pour le canari que je t'ai offert? Je suis désolé de ne pas pouvoir être auprès de toi plus souvent, mais je pense toujours très fort à toi. Je vais t'apporter des crayons pastels. Je sais que tu adores dessiner, alors je pense que ça te fera plaisir. Le docteur a dit que lorsqu'on fait ce qu'on aime, on guérit plus vite. Alors fais plein de dessins, ma chérie. Je sais que ça doit te faire très peur d'oublier des choses, mais tu es une Tsukimori. Tsuki signifie lune, ça veut dire que la lune te protège. Alors ne t'en fais pas Madoka, sois sage et fais bien tout ce que te dit le docteur Aibara. Je viendrai bientôt te rendre visite, maman. Ok. Ouh, film 61. Ouh, 61 c'est... Mais un tapisserie de dessin. Réalisé à pastel et du papier à dessin visiblement par un enfant. C'est très moche tout ça. Le 61, c'est puissant. Film perfectionné, forte puissance, mais temps de rechargement moyen. C'est quoi ça? Tapisserie? J'avoue que c'est un peu... Le fait que ça soit pas net, soit vraiment pas HD. Des fois, ça nous sort un peu de l'atmosphère. Parce que là, je comprends pas ce qu'elle touche, en fait. Mais qu'est-ce que c'était ? Genre, c'est quoi, ça ? C'est un tissu, c'est un miroir, non, c'est un tissu en fait. Un tissu qui est mis par-dessus un truc là, un étendoir. Très bizarre. Wow, Madoka assise sur son lit. Wow. Oh, c'est pas mal ça. Pas mal ça d'avoir montré Madoka comme ça en fait, petite. C'est sur son lit, sa mémoire n'est pas encore revenue, peut-être attend-elle Misaki.
Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Je prends des photos de tout, moi. Eh ben, on va vite t'enlever les pastels à toi. Tu vas arrêter les dessins. Rapport de l'infirmière. De l'infirmière. Alors, 19 juillet. Un incident. Aujourd'hui, il s'agit encore d'Ayako et de la chambre 207. Alors, vers 15h, j'ai entendu Madoka pleurer. J'ai immédiatement accouru dans sa chambre. Son canari avait été décapité avec une paire de ciseaux. Quand la mère disait que si elle demandait à sa fille si elle aimait le canari, je me suis dit, tu vas voir, le truc, il va se faire tuer. Enfin, voilà, quoi, on va le retrouver mort et tout. Eh ben, ça a pas loupé. Hein. Ayako se tenait là, une paire de ciseaux maculés de sang à la main. Il n'y avait donc aucun doute de sa culpabilité. Je l'ai réprimandée comme d'habitude, mais elle m'a ri au nez. J'ai l'impression qu'elle n'a aucune notion de ce qui est bien ou mal. Je veux bien que sa personnalité fasse qu'elle ne distingue pas le bien du mal, mais je trouve qu'elle va vraiment trop loin. Non, elle va vraiment trop loin ? Sans déconner. J'ai peur qu'elle n'ait une mauvaise influence sur Madoka et les autres enfants, mais nous devons nous conformer au désir du directeur et ne pouvons donc prendre aucune mesure efficace. La vache, quoi. Oh, là, 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 là. Il y a une poupée. C'est vrai que j'avais oublié que ces poupées existaient. Pierre rouge. Oh la vache! C'est elle! C'est toi la saloperie, hein? L'impitoyable brutalité de cette fillette, née de l'innocence de l'enfance, se développe en elle comme une entité à part entière. Jauge, c'est quoi ça? Alors, scan indique la quantité de dégâts infligés à un esprit. D'accord, apparemment c'est ça. Genre quoi, on voit leur vie? Parce que les dégâts, on les voit déjà, ce qu'on fait. Enfin, par rapport au point. Du coup, moi, je vais faire quoi, là? Ferme-le par Ayoko. Ah, du coup, c'est... Oui, c'est l'infirmière qui était apparemment extrêmement gentille. Du coup, il a dû se passer quelque chose avec Ayako, en fait. Sa infirmière ignorait qu'être en charge de cette chambre détruirait complètement sa santé mentale. Ouais. C'est ça, en fait. S'il faut, c'est Ayako qui l'a tué, en fait. C'est la petite fille. Oh mon dieu, c'est ça en plus. Yamete. Fillette tirant l'infirmière. Ben... Ayako, une patiente qui avait droit à un traitement spécial au sein de la clinique. Ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était de briser ses jouets. Non mais c'est une fillette, quoi. Tu lui mets une baffe, tu te retournes et tu lui mets une baffe. Parce que là, ça craint légèrement, quoi. Oh mon dieu. Il va falloir la tuer, hein. Attends, où on est là? What? Attends, où on est là? Je suis pas venu là.
Oula. Oh non. Elle est quand même super bonne. Hein. Enfin. J'ai rien dit. T'es sérieux? Tu me fais des... Oh mon dieu. Ah merde, ça a pas marché. Oh mon dieu. On est bon. Si je fais ça, ça la repousse. Ah tiens, ça la repousse, mais ça utilise pas mon tir en fait. D'accord, ok, cool. Oula. Merde, j'étais trop lent, je crois. Un peu trop proche là. Ouh. Gros plan. Ah, c'est l'infirmière, ça? Ou pas? Wow. Ah. Daijobu. Il y a quelques phrases que je connais. Eh ben. Ben on va s'arrêter là du coup, je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter. Alors on va peut-être regarder la cinématique, puis on la re-regardera. Non, on la regardera la prochaine fois, on va s'arrêter là. Donc ouais, on avance, c'est plutôt cool. J'ai eu un peu peur de mourir à un moment, mais ça s'est bien passé. Par contre, il y a la petite fille Ayako, elle m'a attrapé plus ou moins pendant la cinématique, ça m'a fait un peu peur là du coup. Sur le coup. Mais ouais, honnêtement, le jeu est vraiment cool pour le moment. J'aime beaucoup. L'ambiance est là, c'est un vrai Project Zero, c'est un bon Project Zero. Donc ouais. Par contre, la difficulté, c'est vraiment de combattre dans les couloirs et tout ça. Ça, j'avoue que c'est problématique. C'est très 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 problématique. Mais en tout cas, le jeu est vraiment fun. Le jeu est vraiment vraiment fun. En tout cas, merci d'avoir regardé, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.